Une salutation spéciale pour chaque haïtien qui branché dans la République Dominicaine, dans le pays d'Haïti. Je vous remercie bien aujourd'hui pour montrer la caillou avec vidéo ça. Nous parlons directement dans le pays d'Haïti, dans le département nord-est, dans Fontaine qui divise Wanamet avec Dajabón dans le pays de la République Dominicaine. Bagayou compliqué. Haïtien revendiqué par rapport avec comportement que gouvernement dominicain a gagné vis-à-vis haïtien qui a vécu sur territoire pays République Dominicaine. En pile haïtien bloqué frontière ça et mettez République Dominicaine dans réfléchi dans moment. En pile parole dit prêtez attention kounya pour entendre avec moi dans vidéo ça. Dame Samson Tendra a exprimé mécontentement par rapport avec le gouvernement dominicain qui a traité Haïtien mal. Et bien là, il prend un paquet de considérations avec dossier ça. Il y a encore dans la même ligne ça, côté manifestation ça a été fait pour demander avec la République dominicaine pour repenser la raille. Nous avons l'être haïtien lui-même qui t'a exprimé en espagnol en tant que Gounia. Pueblo, o sea, el primer pueblo libre, el segundo pueblo libre de América, del continente de América. Somos el segundo pueblo libre en América. Y somos la segunda nación después de los Estados Unidos. Ahora, si ellos no han leído la historia, antes de llegar a la Cámara, los senadores y los diputados, ellos tienen que volver a leer. Porque tenemos que heredar de lo que han dejado nuestros héroes. Porque ya estamos bajando nuestra camisa frente a los dominicanos. No tiene ningún sentido como pueblo de dejar el pueblo haitiano en esta miseria tan aguda. Y Sabaco Oye, y el otro responsable de Dajabón, parle y le adresse directamente avec le gouvernement dominicain. Avant nous voir plus de détails, avant nous faire entendre des amis qui ont parlé, il y a un responsable qui m'a dit avec tout haïtien, ou bien promoteur haïtien qui est prêt pour capable investir dans ce qui a un rapport avec poule aisé, pour capable mettre travail et empêcher haïtien aller en République Dominicaine à l'acheter zé pour aller vendre dans le pays d'Haïti. Citoyen, ça prend une grosse décision vis-à-vis avec poule ou bien zé qui haïtien a quitté le pays d'Haïti pour aller dans la République Dominicaine. La République Dominicaine lui-même lui répond au pays des États-Unis. Ça a deux jours depuis le pays des États-Unis te voyé un message clair par responsable dominicain par rapport avec gens traité noir américain qui entre sous territoire dominicain et déportation haïtien qui a fait sans camper. Et façon qu'il fait déportation ça, c'est pas bagaille qui juste et c'est pas bagaille qui humain du tout. On a été connecté, première vidéo ça, partagez de tout côté, pas oublier, sous pas abonner avec vous les chaînes. Fais ça qu'on y a, ou pas perdre ça. Entre les citoyens, ça. Parce qu'on va le rapatriement de la République Dominicaine à migrants haïtiens qui vivent légal ou illégal en République Dominicaine. Mouvement, ça correspond directement à un projet de domination, côté classe dominante République Dominicaine, pour aller participer à l'élection à l'Ecapvénéo. Chaque année qui précède l'élection, c'est une tribulation que lié aux Haïtiens. N'importe parti qui a fait compétition en République Dominicaine, il a toujours servi avec thème haïtien
pour yo ka joindre ultranationalistes yo faire propagande en faveur yo, pour yo ka joindre des monde dans société a yo manipuler et avec question haïtien sans que yo pa tenu compte des réalités a. Yo di a République Dominicaine gagne gang même j'attends pour Haïti. République Dominicaine a un gros problème d'insécurité même j'attends pour Haïti. République Dominicaine gagne une économie qui pas trop correct, ça fait que peuple dominicain hein, en mode de protestation contre l'état que nous gagnons, que yo gagnons en République Dominicaine là. Eh ben pour dévier attention peuple là pour faire diversion, eh ben yo obligé entrer dans arrêter haïtien et prendre des décisions pour violer le droit moun, faire toute qualité violation contre haïtiens qui vivent en République Dominicaine. C'est vrai, nous reconnaître nous gagnons pile haïtiens qui vivent de manière illégale en République Dominicaine. République Dominicaine répond note avec pays les États-Unis et ont expliqué que ça yo reproché yo c'est un cas isolé yo prêt pour yo terminer enquête. Yo fait connait que charge haïtien dans République Dominicaine dépassé pays. Yo fait connait yo occupé 32.4% cabane maternité l'hôpital public yo, 10.3% urgence yo, 14.9% dans hospitalisation yo, 9.8% chirurgie, 8.3% consultation. Moun wana met leve campé et yo fait konnen y a bloqué frontière si pa gen yon entente, si pa gen chita pale parce que République Dominicaine tout vive de Haïti. On remet travail ça, prend vidéo ça, partagez le tout côté. Moi men ou en pile.